take the whole city down with this. I take the whole city down with this. Wanna be down, wanna dash, wanna go fast, wanna be brave, wanna move like an assassin. Just Springs to last, not acceptable. Now it's time to get serious. The only question left is like, don't start. I still think I'm the best. People can laugh, people can doubt, but I know my level. Summer is coming. You can see it, it's right there, it's getting closer. Your energy means enemies are getting colder. On sait pas le chercher pendant le spring, mais cet été on va montrer notre vrai potentiel. It's the night that we strike, be like cobras. Take a minute to power up. Wanna be down, wanna dash, wanna go fast. Le combo est magnifique pour les Vitality B. You have been hurt by my split? Wait until you see this one. As always, we would expect to win the title, finally give BDS what they deserve. And for the final, next time it will be different. You can see it, it's right there, it's getting closer. Your energy means enemies are getting colder. It's the night to power up. Let us all wanna be down, wanna dash. On se lasse jamais de gagner, mais ça faut tuer la Carmine pour savoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue en seconde journée de LFL. Le Summer Split s'est démarré, ça ne veut rien dire, c'est engagé hier soir, fermez-la. Donc voilà, on y est, voilà mesdames et messieurs, je suis complètement perdu. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus, on est ravis de vous retrouver. 5 matchs qui vous attendent ce soir pour animer votre début de soirée et votre fin de soirée également, puisque la LFL, ça dure un petit bout de temps. Et donc, sans transition, on est parti. J'ai deux énormes merdes à côté de moi qui se sont simplement moqués dès mon premier bafouillage. J'ai rien fait et Twix occupe pas de chaise, donc tu ne peux parler que d'une seule merde. Ah ouais, cool. Non, mais je t'ai mentionné aussi. Oui, tout à fait. Alors que t'aurais pu t'inquiéter Tréton qui était en retard. Il est vrai que Tréton la délation, est en retard la délation, ouais. Tout de suite. La raison du retard est très drôle, mais... Ça, c'est ma France, ça c'est beau. Chers amis, comment vous allez? Bon, Noah, tu étais là hier. Tréton, bonsoir Tréton. Bonsoir Tréton. Bonsoir Tréton, ça va? Ça tu va venir, attends, fais voir. Je vais nous expliquer les raisons pour retard. Bah, techniquement, je suis pas en retard, j'étais là au lancement. Techniquement, j'ai fait un 0 seconde tout pile. Techniquement, t'es en retard, il n'y a pas photo. Mais du coup, la justification, un mot de papa, maman, non? Ah non, juste, j'ai oublié un costume que je dois porter pour un tournage. Du coup, je suis retourné chez moi. Du coup, je suis revenu. Ça fait pas deux jours que un tournage. Si, mais du coup, là, comme je l'ai oublié deux jours d'affilée, je vais quand même le prendre et du coup être en retard. Bon, c'est pour l'équipe, merci beaucoup. Attends, Tréton, drip check. Enlève ta veste. Non mais c'est pour après ça. Drip check. J'ai mis une chemise manche courte en dessous, mais on voit pas là. Veste des Worlds, c'est staff et tout en plus. Ça, si je l'avance, c'est exceptionnel. J'ai un peu, j'ai les mains prises en fait. Moi ça et fais-nous un défi défilé. Vas-y. Et tu finiras en tournant. Une belle introduction aujourd'hui, hein. On se met bien. Waouh, avec la Léona. Petite Lélé là. La petite Lélé, ouais, bon. Attention à ce que tu dis, toi. Quoi? Non, c'est bien. Merci beaucoup, Tréton, et pas de problème pour le retard, c'est pour l'équipe, évidemment. Non, mais Robalas, c'est bon, t'inquiète. Non, il n'est pas là, t'as raison. Il est beaucoup plus grand que toi, il n'y a pas de problème pour Robalas. Comment ça va, messieurs? On divague un petit peu. Les nouvelles, Shrik? Première soirée de LFL pour toi, là. Ouais, bah, Tréton est toujours au-dessus de moi en LP, à part ça, ça va super. Juste un peu déçu de voir que mes collègues sont en retard, pas que Tréton.
mais c'est fine. C'est certain. Le professionnalisme de certains sont désirés, surtout Tréton là-bas qui est en train de faire je ne sais quoi d'ailleurs. Ah bah écoute, non mais Noa, que dire de nos employés, hein, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi on les garde. Ah, et pourquoi on les paie. Le personnel, c'est plus ce que c'était. Ah non, bah non, hein, j'espère, c'est ça la jeunesse. On a, hein. on a tous les deux été des exemples de ponctualité durant toute notre carrière. Cette Gen Z. Allez, mesdames et messieurs, on en a assez dit, on en a assez fait. Il est temps de passer au récap de la soirée d'hier, parce que c'est le day 2 de ce Summer Split de LFL. Et il s'en est passé des choses. Alors je vous rappelle qu'on ne joue pas sur la nouvelle saison, hein, bien entendu, on va en reparler un petit peu. Mais le match d'intro, c'était le remake de la finale, Shriek. Oui. Et ma foi, il y a eu du mouvement, il y a eu les nouvelles arrivées des nouveaux joueurs cassés. Oui, bah, le Virgo de 113 est des plus à présenter. Malheureusement, c'était le mauvais côté de la pièce cette fois-ci, avec beaucoup, beaucoup de mouvements du trio Skewmonde, Parus, et tu peux changer le troisième entre Ricœur et Kedui. On sent qu'il y a une équipe qui n'a pas changé de joueur et qui est toujours aussi performante, alors que cassés, ils ont encore des choses à travailler. JNX qui récupère un petit MVP avec son Giga Aatrox team du Sud contre Aegis. Et Aegis qui win. Et ça faisait un petit moment. J'ai vu la stat sur Twitter, elle est terrifiante. Là, c'était quoi? C'était 13-12 de suite, quelque chose comme ça? Ouais, bon, la dernière win, enfin, je sais pas, c'était quoi, mais ils ont cité la date du 19 juillet 2023. Ok, d'accord, ça. C'était peut-être la dernière win en blue ou en red. Ouais, un des deux sides, quoi. Possible, parce que je pense qu'ils ont quand même pas fait une saison à 0-18, mais. Bah, belle entrée en liste des deux Coréens qui ont très bien joué. Nayoon avec une Leblanc qui s'est bien baladé. Enfin, c'était assez propre. Franchement. Face à un TDS, peut-être pas encore totalement en place. Ouais, c'était vraiment clean à Aegis. Franchement, ça va être très bien parce qu'ils vont ouvrir le bal ce soir. Gentlemate contre Game Ward. Un stomp. Voilà. Vraiment le plus gros stomp de la soirée, je pense. Un stomp. Au début, il y avait tout de même un écart au goal qui était très léger vu le score. Il y a 9-1, mais tu veux dire, en plus, il y a deux Drake pour Game Ward. On se dit que c'était encore jouable. Mais plus la game avance et plus on voit que les mates. Enfin, sont juste rodés. En plus, il y avait l'Aurélion de Mireu. Alors, ouais. L'Aurélion, c'était celui dont on avait eu peur, qui avait fait du 0-10. C'était lui, ouais. Et bah, Apocalypse, très bien joué dans les fights. Malheureusement, on sent que niveau bot side et jungle, côté Game Ward, on n'arrive pas trop à suivre le niveau des laners en face, tout simplement. Faut voir, tout était pas clean, hein, très rien. Clairement. Mais bon, on s'est fait vraiment plaisir. Il y a eu aussi un Aurélion sol ici, côté Vita, mais celui-ci, il a perdu. Il était plutôt serré comme match tout de même. Avec notamment cette Camille qui s'est fait tamponner encore et encore et encore et encore contre un Skarner complètement broken. Ouais. Mais qui, je pense, Kryze, qui est quasiment solo carry avec un très bon Azir du côté de DK. Mais je pense que sans ce topside, on reparlait d'un résultat différent. Ouais, les Vita qui avaient trouvé de nombreux dives sur la botlane, mais Solari qui ressortent gagnant grâce à l'aura des Lalousse. Bekarok contre Geo, dernier match de la soirée. Entrée assez peu convaincante pour la team Geo, mais pas pour tout l'effectif, sincèrement. On a remarqué par contre que le mid jungle n'était pas encore en place. Pas du tout bot lane, 100% de capé, donc c'était pas mauvais de ce côté-là. Mais malheureusement, c'est juste Bekarok qui sont plus solides avec leur changement de jungle. Pour l'instant, ça match. Ouais. On verra si c'est Geo qui était en dessous ou si Bekarok est vraiment une top équipe. Ouais, Rilek, donc Antera nous a dit qu'il l'appelait comme ça, qui n'a jamais perdu sa game d'introduction dans ses ligues. Voilà. Il a joué combien de jours, enfin combien d'années? Bah, c'est un jeune joueur de 18 ans, donc voilà, il n'est pas arrivé dans 1000 ligues, mais en tout cas les first games il les perd jamais. C'est lui qui a tweeté ça et pour le coup il maintient la stat. Quelques réactions par rapport à ce qui s'est passé hier, hein, quand même c'était la rentrée, tout simplement. Nouveau cartable, nouvelle trousse et nouveau tweet. On va aller du côté de Gentlemate, mesdames et messieurs, avec Bao qui tweet bien en français, hein, pour le coup, hein, c'est assez clean. Bon début, j'essaierai de gagner demain aussi. Alors aujourd'hui, c'est contre la Red Storm, hein, pour le Green Suit. Ma foi, ils sont bien entendu favoris, mais ouais, ça m'a fait plaisir de voir Bao avec un tweet bien tricolore. White. Ça, c'est mieux déjà. Kobe. Voilà, là, on commence à enfin sourire. Parce que bon, là, l'Apocalypse sur 4, c'est combien? Il y a 3 personnes dedans ou 4? Il y a 3 personnes, mais comme ça touche toute la map. Bon. Ouais, ça touche toute la map, donc c'est équilibré de toute façon. C'est rare de toucher moins de 5 personnes avec l'Apocalypse. Ouais. Où il y a vraiment un top laner qui est en train de split, quoi. Où il y a des morts. Juste ça. On est bien d'accord. C'est vrai, j'aime bien. Voilà, les mecs qui sont régalés hier, très clairement. Casté Blue, donc, et leur nouveau mid laner Abe Dague, qui s'est exprimé lui aussi également. Comme vous pouvez le voir, plutôt positif. Hein, c'est juste une première partie. On n'a pas réellement joué comme d'habitude. Les bonnes choses prennent du temps. Il faut reset pour demain, donc demain étant aujourd'hui.
Oui, mais c'est normal, c'est le début de la saison. Pendant les 2-3 premières semaines, surtout quand tu joues contre un effectif comme celui de BDS qui n'a pas bougé, je l'ai redit plusieurs fois hier. Mais ça ne me choque pas plus que ça, ça ne me surprend pas plus que ça qu'on n'ait pas été on point instantanément contre peut-être la meilleure équipe ex aequo, deuxième meilleure équipe de la Ligue si on regarde le Spring. On l'avait tous dit aussi rapidement, BDS sont largement meilleurs à l'entrée du split. On pense que KC va scale largement mieux à la fin du split. Donc c'est normal. Tu vois. En tout cas, ils auront l'occasion de confirmer aujourd'hui parce qu'ils jouent contre l'autre DS, la TDS, chers amis. Qu'est-ce qu'il y a, Shrik ? T'es pas fan de ma blague ? Parce que tu me payes. C'est bien. Oui, tout à fait, c'est vrai que je te paye, ne l'oublie jamais. Contre la team du Sud, donc on verra ce que ça donnera aujourd'hui pour la KC. C'est prévu vers 21h, me semble-t-il. C'est le quatrième match de ce soir. Bah, je l'ai devant moi, en fait. Je suis un peu con, mais voilà. Ouais, c'est effectivement le quatrième match, je confirme. Oui, ça va. Tu valides. c'est celui-là, c'est celui-là. L'accident des abeilles. Maintenant, il faut y revenir, bien sûr, parce qu'il y a un accident sur la faille, mais aussi il y a aussi eu un accident au niveau des tweets. Au niveau des premiers tweets, quand les abeilles ont vu la Camille validée pour Naknako, ils ont dit c'est gagné en Champ Select. Sauf que la réponse juste après, damn, Skarner got close, évidemment. Bon, niveau curse, j'avoue que c'est top tier. Ouais, bah c'est... Puis surtout que c'est allé... Il y a eu quoi, double solo kill au top. Il s'est fait brûler. Enfin, vraiment, il s'est fait mais traîner sur le sol dans la boue contre les murs. Il ne restait plus rien de la top lane en face. Très détaillé, ce que tu dis. Vraiment démembré de fou. Vraiment, ce petit moment où il l'emboutit sur le mur devant les Krugs, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est assez visuel, Skarner. On a rarement vu un top laner en game compétitive se faire autant massacrer dès la laning phase, en toute objectivité. Non, mais c'est vrai, surtout que le match-up, tu vois, c'est un Skarner, bon, c'est très lame bully, mais Camille, l'early level, tu sais, t'as le passif, t'as les trois spells sont super forts, mais juste, il y a eu un. J'ai envie de dire le plus gros gap que j'ai vu depuis un bout de temps. Alors, on parle de gap, on parle pas forcément de skill gap, quand même, faut pas déconner. Même Kryze témoigne, hein, bien sûr. GG Vita, merci pour la game, et merci à Riot pour ce champion. Effectivement. Bon, oui. Bonne connaissance du champ et manifestement une meilleure connaissance de Skarner que son opposant. Aucun doute là-dessus. Mais bon, c'était pas niveau APM, on était en dessous de 5, je crois. Ouais, mais c'est la même catégorie de champion que je joue, tu vois. C'est des champions de crasseux qui sont disgusting et qui gagnent tout, tu vois. Donc karma, tu vois. C'est un mot qui te définit bien. Mais en fait, c'est parce que Shriek est un cérébral, c'est pour ça. Cérébral. Ah. Je réfléchis et je n'ai pas besoin de mécanique pour gagner. T'imagines si je jouais des Qiyana et tout? T'as un crasseux cérébral, du coup. Cool, la team. Et on passe à la suite. Idée de pseudo. SDF Soukrak, c'est pas mal. Hein. Bah, SDF Soukrak ou crasseux cérébral, moi, je trouve que c'est un très bon smurf. Hein, pour le crasseux cérébral. Crasseux cérébral. J'aime bien. C'est pas mal. Je demanderai l'avis du public. Ne le volez pas, hein. Bien sûr. Laissez à Shriek l'opportunité de se représenter fièrement sur le ladder européen. Du coup, puisqu'on termine sur Skarner, continuons sur le scorpion... je ne sais même pas combien de dards il a pour le coup, mais bon, voilà, il est violent. Alors, j'attire votre attention, 14 points. Ouais, il en a 3, je crois. Il a 3 dards. C'est bon, arrêtez avec vos sourires de. Quel âge avez-vous, enfin Bientôt 35. Ouais. Le ban rate que vous voyez à gauche, évidemment, ce n'est pas un ban rate de jungle. Tu ne peux pas cibler le poste sur lequel tu bannes, c'est le ban rate global. Donc, 14.9, c'est. Le patch sur le compétitif sur lequel on est, et c'est un patch antérieur bien sûr à celui qui est live, donc on a été miné la data, donc ban rate à 58%, bon, c'est pas mal, hein. C'est la solo queue, hein, on est d'accord. C'est la solo queue, ouais, tout à fait, ouais. C'est beaucoup quand même, hein. Bah normal, le champion est un champion de... Combien, attends, il y a 160 champions 168. 168 champions. Et il y a un champion là-dedans qui a 58% de ban rate en solo queue. En réalité, c'est pas énorme, il y a eu beaucoup plus, hein. Tu sais qu'il y a eu Kassadin qui était à 98,5, il me semble, de plus. Oh, 99,5, je crois. Je crois, oui, c'était large. Enfin, c'était l'époque saison 3 où. C'était 99 ou 98. Un truc 99, mais c'était un champion crackbroken. Mais par contre, Skarner, à l'époque où tu faisais presse W et tu one-shotais tout le monde sur la wave, c'était totalement crackbroken. Présent 69%. Bon, on voit ici que c'est un petit peu descendu. Ça, c'est le patch live, le 14.10. Le banrate était quand même très élevé, très, très, très élevé. Malgré tout, mais bon, il y a d'autres champions qui prennent la place de top ban Karthus, hein, bien sûr. Tous les champions AP qui peuvent abuser, voilà, de ça. Ce sont les top ban du moment. Pick rate assez élevé, malgré tout, présence énorme, win rate au-dessus de 50% sur 3 positions. Bref, une anomalie qui ne va pas bouger, vraiment, compétitivement, ça ne va pas bouger. Skarner, il va être là, il va rester.
Ils ont... Il leur faudra combien de nerfs comme Cassanté pour se dire que c'était peut-être un peu... Ils savent pas doser. En 14.10, tu vois, je sais pas s'il sera si joué que ça en compétition. Sauf si tu parlais de la solo queue. Ah mais moi je vois pas pourquoi, pourquoi ça changerait. Bah vraiment les jungles AP ils sont tellement forts. Mais tu joues au top, tu joues au bot, tu joues n'importe où, tu joues. Oui alors il sera joué mais je pense pas que ce sera une triple. Un triple flex. Ah ouais peut-être. Triple flex en compétitif. Genre, mid, il le fera. C'est le Saint Graal. Quadra. Bah ouais mais moi je vois plus des l'opportunité sur Karthus, Lilia, Talia, tous ces champions qui vont abuser. Bah ouais, mais c'est un reflex. Allez on va faire tout, on va tout mettre. Mais Skarner est support. Tu mets Lilia Skarner, allez hop. Ça fait beaucoup de mêlée mais vas-y go. C'est pas grave. C'est l'ouverture que... Redside en S, je vois pas ce qui contre. C'est un mêlée avec 6000 HP qui traverse les murs, 400 de dégâts bruts, 30 d'armure. Sachant qu'il existe des counters, hein, bien sûr, à Skarner. Il existe par exemple Olaf. Ah. Mais le premier étant listé, j'ai été chercher moi-même les recettes maison, c'est Dr Mundo. Ah, sachez-le. Oui, c'est très chiant. Le plus grand counter, un des plus grands counters de Skarner, c'est Dr Mundo. Je sais pas quoi y penser. J'essaie de. Kryze peut jouer Mundo. J'essaie de comprendre pourquoi. Bah, parce que bon, t'as ton anti-CC, tu bah, l'anti-CC, prendre le du pop. Coup, il est littéralement immune et surtout, il peut avoir une conversion en range. C'est-à-dire que quand t'es pas obligé d'être face à Skarner pour wave clear et te faire bosser par le menhir. Et Skarner doit pas avoir le DPS pour tomber un Mundo. Exactement. Ni le poke. Okay. Ni le poke. Mais après, je vois d'autres tanks qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Mais bon, je pense qu'un Darius passe, mais le truc, c'est que Darius peut perdre le duel. Hein. Donc, du coup, voilà, il y a ce genre de problème. Bref, la page Skarner est tournée, mais attendez-vous à voir beaucoup de scorpions, parce qu'on vient de vous confirmer que, bien sûr, c'était omniprésent, même sur la nouvelle demi-saison de League of Legends. Parlons maintenant de nationalité. C'est bien ça, mon cher Koyuk. Merci Polo, eh bien allons-y, parce qu'on a parlé de la répartition bien sûr en LFL, 16 joueurs français, 6 joueurs coréens, 7 joueurs turcs, allemands, etc. On s'est posé la question comment c'était ailleurs en fait dans les autres RL. Eh bien on a été mener l'enquête et voici le résultat de cette enquête de terrain. Donc en Prime League, nous avons donc 20 joueurs allemands, c'est la ligue allemande forcément, 2 joueurs sud-coréens et 28 en full mix. J'attends la Turquie. Ouais, merci quand même à la Ligue allemande de ne pas avoir trop de Sud-Coréens. Tu vois, déjà. C'est vrai. Bon, voilà, 20, c'est quand même plutôt pas mal. On passe à la suivante, l'Espagne. 2 aussi. Ouais, mais ils ont 8 Espagnols, par contre. La Ligue espagnole, non, bah non. Elle est bien, la Superliga. C'est bien, ça, les talents locaux, tout ça. C'est les produits, nice. Les produits du terroir, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Tous en LEC. Ouais, on est, ouais, c'est vrai qu'ils sont tous en LEC, pour le coup, ça, tu marques un point. Mais pour le coup, ouais, on n'a pas beaucoup de joueurs espagnols en Ligue espagnole, figurez-vous. Terrifiant. Non, mais c'est terrifiant, la stat. Hein. C'est ouais. 40. Je pense qu'il y a peut-être une nationalité qui est plus dominante que celle que l'espagnol en LEC. Tout à fait, mais on ne voulait pas appuyer. Après, il faut les comprendre. Hein. Voilà, on ne voulait pas appuyer, on s'est dit on est gentil. C'est à quoi ? C'est à comprendre, mon nom, je ne recruterai pas l'espagnol. Où on voit nationalité. T'es con. On voit nationalité à domicile et on voit les Sud-Coréens, tout simplement. Okay, on se concentre là-dessus. On n'est pas là pour se moquer des copains. On réglera ça aux IMI Master. On passe à la ligue suivante, mon cher Polo. Oui, la LFL, voilà, rappel, bien sûr. On est à 16, on est à 6. Et voilà, on sait qu'il y a. 7. On est les plus gros clowns pour l'instant, au niveau des Sud-Coréens. On aime bien les joueurs sud-coréens. Ou alors on est les meilleurs imports. Enfin, on apporte pour avoir un meilleur niveau de ERL. Enfin, on est la ligue prestige à défaut d'être la ligue championne. Évidemment. Donc on est juste des clowns. Bah écoute, pour l'instant 2024, poète, hein, j'ai envie de dire. On s'appelle l'Amérique du Nord des ERL. Bref, on avance maintenant. La Turquie, tu demandais la Turquie. 10. Oui. 10. 8. Et 8. Hein. Ouais, 8 joueurs sud-coréens. 27 joueurs turcs. Ça va en vrai. Hein. En vrai, c'est clean. Clean. Ils prennent les joueurs turcs, ils mettent des sud-coréens dedans et ça fait des super. On n'aura pas récupéré des joueurs coréens qui étaient chez eux, qui sont venus chez nous. Bah, Bao. Ouais, ouais. Mireu. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. Pour ne citer que. Petit fait, 8 joueurs sud-coréens et 8 joueurs qui ne sont pas turcs. Donc la moitié des imports en Turquie sont sud-coréens. C'est bien vrai, ça. Voilà. J'arrive même pas à savoir lesquels ne sont pas sud-coréens ou turcs. Ils ne doivent pas être dans les top équipes. Peut-être pas. Mais alors du coup, je me demande, pour le cas de la Turquie, parce que, bon, après, pour plein d'autres cas, les autres pays, je peux comprendre, mais pour le cas de la Turquie, ça veut dire, est-ce que c'est les Européens des ERL qui n'ont pas envie d'aller en Turquie, ou alors la Turquie qui, quand elle recrute autre chose que du Turc, veut du Sud-Coréen ? C'est un peu je me pencherais plutôt pour la réponse B.
Voilà, parce que je pense pas que ce soit mal vu ou dans pas cool d'aller en Turquie parce qu'ils ont de l'argent, tout à fait. Voilà. De l'argent, ils veulent gagner. Il faut dire les choses. Et pour le coup, bon, Jack Troll, Skins, bon, voilà. On a des joueurs hein, quand même qui sont à LFL, qui ont été voir du côté de la TCL. Et au-delà d'y aller, bien sûr, pour les IBM Masters, le climat, mais également, faut le dire honnêtement, la moula. Hein, voilà, très clairement. Voilà. Ça joue. Ça joue, ça joue. Bah, ça joue partout, bien sûr. On termine avec l'Ultra Liga. L'Ultra Liga qui est la ligue polonaise, mesdames et messieurs. Là aussi, c'est clean. 25 joueurs polonais, 20 joueurs qui ne sont pas polonais, mais 0 joueur sud-coréen, du coup, en Ultra Liga. Pas d'argent là-bas. Pas beaucoup d'argent, mais surtout pas de résultats. Ils sont à 9 équipes. Ils n'ont pas beaucoup de seed. Ouais, voilà. C'est une ligue qui, dans les années récentes, est relativement gaise. C'est vrai. Ben oui, puis aussi il faut dire que tous leurs bons joueurs polonais ont été pris ailleurs. Quoi. Alors les derniers imports notables coréens, c'était notamment Noah, qui était chez Zetten. Voilà, mais depuis effectivement, c'est une ligue qui a perdu pas mal de sa superbe, en tout cas au niveau de la représentation européenne, seconde division, on est bien d'accord. Voilà pour ce petit dossier, ça vous a plu, c'était cool. Très cool de savoir où sont les Coréens. Ouais. Il y en a beaucoup, les Sud-Coréens. Je m'attendais à ce qu'on ait mis de plus en Turquie. Attends, mais il y en a combien, c'est-à-dire en Europe, ERL ? Parce que là, on a eu 6, 8, je crois, 2... 6, 8, 2, 2, 2. Allez. Tic. C'est 18. 18. Tic. On est fort. Bah, 18, et je pense qu'il n'y a pas dans les ERL mineurs, peut-être qu'il doit y en avoir un. 6, 8, 2, 2, 2. 18. On est assez gouré. Ah non, 6, 8, 2, 2, pardon. 6, 8, 2, 2, tu 18. Vois. 18. J'ai rajouté un 2 en trop. On est trop fort. Ouais, c'est ça, on est fort. Non, vous êtes fort. On peut pas tout tromper. On pourrait limite faire une demi-ligue sud-coréenne en Europe. Réal. Voilà, à bon entendeur, évidemment. Mais voilà, donc super intéressant. Et c'était l'occasion, bien sûr, parfaite de taper sur la LVP. Passons au planning du jour, mesdames et messieurs. Les 5 matchs, les 5 affiches. On va commencer en beauté ce soir, figurez-vous. Puisqu'on a Aegis contre Solary, deux équipes victorieuses hier soir. Gameward BDS, 0-1-1-0. Bien sûr, la même chose pour Geo Gentlemate, une équipe win-lose pour TDS KC Blue et la même chose pour Bekarog Vita. Attends. Oui, c'est ça. Oui, c'est non, ça ouais, c'est ça. Non, pour TDS KC, c'est deux équipes qui ont perdu, pardon. Oui, c'est ça. C'est là où je me suis quoi. Absolument, sinon ça, le calcul n'était pas bon. Et évidemment, joli planning, très sincèrement, avec le Aegis Solary en introduction qui va être très sympa. On va en parler dans quelques instants. D'abord, petit point, on est en day 2 de saison. Il y a des immortels. Qui sont-ils? Eh bien, ils sont au nombre de 4. Le quatuor immortel, Naeyun, Ragnar, Bao, DK. Et donc, si vous suivez, eh bien, dans le premier match de ce soir, Aegis contre Solary, les deux midlaners ne sont pas encore tombés. Et c'est possible qu'ils ne tombent pas tous les deux s'il y en a une équipe qui se fait stomper et qui ne tombe pas. Mais deux midlaners ne sont pas tombés, ça va être cool, ouais. Non bah ouais, il y a Ragnar et Bao aussi qui jouent contre Geo. Contre Geo, contre la Redstone. Donc ils ont un petit avantage, mais la dernière fois, on a attendu combien de... deux semaines avant d'avoir perdu tous les immortels, je crois. Non, à la deuxième semaine, ils sont tous tombés. Ouais, ils sont tous tombés, c'était assez long, il a fallu au moins 4 jours. Alors que là, bah, je pense que dès la fin du premier et du deuxième jour, il y a un monde où tout le monde est mort. On n'est pas au niveau de Chovy, très clairement, en Occident, je rappelle. Bodymaker. Non, j'ai dit Chovy parce que Chovy a un record, un record en plus de celui qu'il a déjà, c'est d'avoir atteint un KDA de 104 en compétition, en ayant été immortel durant 3 semaines de LCK. Soit 22 corps qui de suite. T'as le seum ou pas? Je comprends pas là. KDA de 104, c'est un record établi par Chovy, il faut le savoir, qui était, il me semble, bah, du coup, si mon calcul est bon, 44-1-60 en KDA. Le GOAT. C'est vraiment, c'est un record absolu, on est bien d'accord. Avançons donc, je ne sais plus dans quel ordre j'avais mis tout ça. Oui, alors beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver ou viennent de faire leur retour vont s'affronter aujourd'hui. C'est l'occasion de prendre de leurs nouvelles en format versus, puisque eh bien, il y a des résultats bons et des moins bons, et c'est l'occasion un petit peu de discuter ensemble. Parlons de la forêt maintenant sur un des match-up qui nous attend en fin de soirée entre Bekarog et Vitality, Rilek et Daglas. Donc Rilek qui fait son entrée, bien sûr, en LFL, et Daglas qui signe son retour, une victoire à gauche, une défaite à droite. Vos impressions, messieurs, sur les entrées respectives de ces deux joueurs?
Moi, je disais que pour BK, quand on avait fait le mercato, c'était un upgrade, non pas individuel, mais d'un point de vue team. Ça, c'est peut-être un peu ressenti sur une game, mais c'est trop tôt pour en parler. Je pense vraiment que BK, c'était ce qu'il leur fallait pour être plus clean et justement aller atteindre les premières places, s'ils les veulent, dans les playoffs et dans la saison régulière. Alors que Douglas, j'avais dit exactement la même chose, c'est que le joueur n'est pas mauvais. Les autres joueurs autour ne sont pas mauvais, mais on s'est peut-être fait un peu bait par leur run des playoffs où on avait senti qu'ils étaient largement meilleurs. Mais sur le reste de l'année, ils avaient été un peu compliqués, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est un peu ce à quoi je m'attendais du côté des deux équipes. Ok, ok. Noah, t'es plutôt on board ? Relec, j'ai trouvé ça très bien, très convaincant pour une première game, rien à dire. Un peu dur après du jet Douglas sur un match qui a été perdu. Après, c'est un joueur qui revient de LEC, qui a pris une énorme XP, qui était dans une équipe, je trouve, qui a bien progressé, même du côté du LEC en l'espèce de Vitality. Donc, je m'attends tout de même un des joueurs qui est censé normalement dominer un peu la jungle. Alors hier, c'est pas ce qui a été vu. Maintenant, le temps que ça se mette en place, etc. Moi, j'attends beaucoup de Douglas. Ouais, je pense qu'il y a des attentes très très hautes. Et pour Ilek, il n'avait pas vraiment la pression du résultat. Hein. Je ne mettrai pas de ce côté-là. Mais par contre, il avait une position centrale dans la game de Baker Gear, puisqu'il jouait un Xing Zhao extrêmement important dans le collectif. Et franchement, il a été étincelant. Moi, je suis dedans. Bravo à lui, mais pas d'inquiétude pour Douglas, très honnêtement. Il faut juste que ce soit le collectif qui clique ensemble. On verra donc, ce sera le dernier match de la soirée. Parlons maintenant d'un match qui va arriver un petit peu plus tôt, qui sera prévu sur les coups de 20h, exactement. Géo contre Mate. Oui, duel des deux midlaners qui viennent d'arriver en LFL. D'Ajor, ok. Mais alors, le truc, c'est que Mireu, on a eu beaucoup plus d'informations vu qu'il avait joué au Zimier. Ah, c'est certain. Et qu'il avait fait des sacrées performances, malgré qu'on se souvienne d'une game un peu ou deux un peu atroce. D'Ajor, c'est pas le Abedague auquel on s'attendait en mode ultra performant et tout ça, mais ça reste un ancien joueur LEC qui a fait une game très difficile. J'ai envie de dire que Mireu, lui, il montre l'explosivité dont on s'attendait, et D'Ajor, il montre un peu le côté boring, dont on avait vu en LEC. Après, si je peux me permettre d'argumenter, enfin d'aider à l'argumentation, on n'avait pas le même adversaire, peut-être, parce que les Game Ward n'avaient pas l'air d'être vraiment très très forts, très très en place dans la première game. Les Bekarog étaient plutôt en confiance. Hein. Oui, c'est sûr. Mais Peng, quand même, je trouve que, comme Triton l'avait dit, c'est pas un mauvais mid. Non, c'est vrai, tu marques un peu. Oui, non. Mais l'équipe en globalité, ça reste. C'est sûr que Bekarog est bien plus forte que Game Ward sur le papier. Mais tu vois, au niveau des mids, Montcheco, je pense qu'il est quand même plus fort que Peng. Mais tu vois, je pense pas que Mireu ait une free lane dans les mids. Il n'y a pas beaucoup de faible laners. Après, Mireu, quand on a fait un peu le tour des mid laners en interview, il y en a certains, dont DK, qui ont dit Mireu, peut-être le nouveau boss de la mid lane ou un des nouveaux boss de la mid lane qui vient de débarquer en LFL. Donc il est très très attendu, Mireu. Et moi, d'agent, je suis très mitigé parce que j'étais parti sur un. Quand il était en LEC, même du côté d'Astralis, j'étais pas parti sur un mauvais sentiment de d'agent qui jouait avec Xerxe qui était en train de le turbo-int toutes ses lanes. Et je trouve qu'il avait ses bons moments. Alors, peut-être un pool de champions qui n'était pas assez. Ça se permet de la Vex à l'époque où c'était méta et peut-être pas le meilleur des pools de champions. Mais je trouve que le joueur n'était pas mauvais. Et hier, je dois dire que c'est une seule game. C'était une game 100. Voilà, c'était une game 100, mais hier, ça m'a fait un petit peu peur. Ouais. Bon, on va voir, mesdames et messieurs, 20h, Triton, super arrêté de faire du bruit, merci. Troisième versus, donc là, c'est pour le match d'introduction, bien entendu. Alors, on va parler du mid-jungle Aegis, puisque, on va pas vraiment parler du mid-jungle Solari, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont été bons hier, ce sont de doubles recordman de la saison passée, même si, pour le coup, Eka s'était fait coiffer sur le poteau au niveau du record d'assist de jungle par centré sur la toute dernière partie. Mais cela étant dit, le mid-jungle Solari n'a rien à prouver. Alors que celui d'Aegis, bien sûr, il est tout nouveau. Il a fait une bonne game contre la team du Sud. Mais bon, c'est la team du Sud. C'est pas un des mid-jungle les plus établis de la Ligue. Bah oui, je crache des fesses. Je déteste la TDS, bisous Sylpix. Mais malgré tout, c'est pas un des mid-jungle les plus établis, alors que Solari, c'est tout le contraire. Deuxième jour de compétition, on va enfin voir quelles sont les équipes qui ont fraudé leur premier jour.
rapidement, qui gagne ? Eh bien, les pronos. On va le révéler. Je suis en retard, désolé. Polo me presse. Mais voilà, je voulais juste féliciter Nayoun et Citrus pour leur partie d'introduction et simplement mettre en place le mystère, le suspense vis-à-vis de leur performance du jour contre Amin Jungle, encore une fois, beaucoup plus robuste sur le papier. Les pronostics, mesdames et messieurs, avant de lancer la soirée, normalement, ça doit danser. Hein. Ça doit être disputé. Oh, voilà. Alors, il y a deux matchs. Bon, ouais. Il y a que deux matchs en fait. Il y a un Vita de Noah. Oh, Triton, tu l'as tenté. Allez, le Bekarok Vita, je suis seul à mettre Vita. Triton et moi, on déteste Solari, let's go. Ouais, t'es le seul à détester Bekarok, ouais. Tout le monde déteste TDS, tout le monde déteste Game Ward, ok. Ouais. Et tout le monde déteste Vita, sauf Noah qui a des parts là-bas, j'imagine. Et, et on déteste Duke aussi. On vraiment, Chips, non. Noah, Twix, Triton déteste Duke. Oui, tout à fait, je confirme. Exaki qui est pas mal au niveau des guests aussi. Exaki qui est pas mal. J'ai aujourd'hui les mêmes pronostics que Triton à 80% de winrate. Ça sent bon ou ça sent mauvais pour lui. On et verra. Romba qui est à 100%, on va voir ce que dit le. Ah, mais Romba, putain, je le goûte. Ah ouais, 100%. Ah ouais, Romba. Tu te trahis. Romba, il est chaud, c'est vrai. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce pré-show, merci à vous de m'avoir accompagné dessus. Vous l'avez compris, le match d'introduction, on ne sait pas trop quoi en attendre, mais dans tous les cas, c'est un affrontement qui a déjà plus de saveur qu'au printemps, tout naturellement. Félicitations au Aegis pour ce mercato. Bref, le match d'intro arrive dans quelques instants. Aegis contre Solari, commenté par Triton et Robalas. Mesdames et messieurs, que la seconde journée de LFL Summer 2024 commence. Take the whole city down with this. I take the whole city down with this. Wanna be down, wanna dash, wanna go fast, wanna be brave, wanna move like an assassin. Just Prince to last, not acceptable. Now it's time to get serious. The only question left is to start. I still think I'm the best. People can laugh, people can doubt, but I know my level. Summer is coming. On ne sait pas chercher pendant le spring, mais cet été, on va montrer notre vrai potentiel. You have been hyped by my split. Wait until you see this one. Power is everything, the voice inside your head said that you can do anything. As always, we would expect to win the title, finally give BDS what they deserve. And for the final, next time it will be different. You can see it, it's right there, it's getting closer. Your energy means enemies are getting colder. It's the night to power up, let us go. Wanna be down, wanna dash. On sera jamais de gagner, et ça faut tuer la Carmine pour savoir. On rentre directement dans la draft de cette première game Aegis contre Solari, un match très important parce que c'est un match qui va me permettre de passer à égalité au pronostic avec Robalas parce que Aegis va détruire les Solari et l'heure aura de la lose. Draven, Talia, Ash, Varus, Bani, mais déjà Robalas, comment ça va? Bah ça va très bien, ravi de reprendre la LFL, reprendre le rythme. Moi je suis plus du matin normalement donc le MSI m'allait très bien mais ravi de voir un petit peu tous ces changements et ça commence avec une belle équipe Aegis qui a fait une,
une plutôt très bonne performance hier. C'était très convaincant. Oui. On les a vus en forme. On pouvait avoir un peu des doutes sur les Coréens, ce que ça allait donner, mais c'était très clean. Donc clairement un match-up beaucoup plus serré qu'au Spring. Et un Skarner qui est ban par Solari. On se souvient aussi hier la performance très remarquable de Kreiz sur le champion. Ah, déjà laisser Skarner sur ce patch, hein, c'est... Enfin, faut avoir envie de jouer contre. Hein. Ah, oui. Quelque chose ce champ. Et du coup on prend la Kalista. Il y a beaucoup de champions AD qui sont ban. On récupère Kalista pour Aegis. On va directement trade avec une double frontlane Kassan TC Juani. Bonne chance à cette Kalista pour s'exprimer. Ouais, c'est pas forcément facile pour Bin de créer de l'espace dans cette game. Bonne chance à lui. Ah, mais bon, on a potentiellement du counter pick sur la top end pour Badulu à aller chercher, même si on sait que counter un Kassan c'est jamais simple. Il y a une Vayne qui peut être très intéressante, mais pour le moment on va juste focus sur récupérer un très très bon duo bot lane. Et pour le coup Kalista Renata, c'est un excellent duo. Le Blitzcrank de Myrtus? Je pense pas. C'est possible, Renata est très bon. Comme tu l'as dit, je pense que Solari va déjà lock une compo où on va vouloir aller de l'avant. Donc la Renata peut poser beaucoup de soucis. Il sera protégé par l'ulti Kalista. Mm-hmm. Et oui, il peut y avoir des counters. Après, on va prendre une chance sur un patch où... Bon, enfin, j'allais dire le swap lane est encore vachement actif. Les patchs d'après changent pas grand-chose. Il y a une tentative sur le 14.12, je crois. 11. Sur le prochain patch, ouais, vous essayez de... Point 11, du coup. Mm-hmm. Sur le point 11, il y a une tentative, mais je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. On en reparlera plus tard. Mais du coup, et si vraiment gros counter, on essaye de sortir sur Kassan, wow, on peut toujours jouer le swap et 1. Azir Corki mid lane, on est parti pour un bon 40 minutes de game. Il y a du scaling sur la mid lane, ça c'est sûr. Ça va être intéressant de voir le match-up. Bon, on sait que Corki sur ce patch-là était très très fort. Hein. C'était l'un des picks mid lane les plus importants du MSI. Et en plus, il y a Harry Talia qui ont pris des petits nerfs, ce genre de choses. Donc vraiment, Corki est relativement puissant. Les dernières games qu'on aura sur cette version de Corki avec son package. C'est vrai ça. Avant le changement qui d'ailleurs devient très fort avec les changements. Corki, on aura probablement l'occasion d'en voir en mid lane, en bot lane. Oui. Et du coup, bah, il reste la jungle chez Aegis. On a enlevé le Xin Zhao. Ouais, que Struss avait joué hier. Struss qui doit... Je sais pas s'il est rank 1 exactement, mais il est vraiment tout en haut du ladder. Il a un super win rate. En train d'arracher la solo queue et le Blitzcrank qui sera retiré. On a fait Myrtus, c'est un bon joueur de Blitzcrank en plus. Ouais, il est plutôt pas mal sur le Blitz. On va enlever Camille aussi pour protéger potentiellement Kreiz. Bah, Dulu est très bon dessus, donc on comprend le ban ici. Alors on a vu, hein, de toute façon c'est que des champions où on se base un petit peu sur le MSI aussi. Camille qui a été un gros souci pour beaucoup d'équipes, la Camille de Bean, il y avait la Camille chez T1 aussi pour Zeus qui avait été un peu problématique dans certaines games. Mais oui, bah, Dulu, bon joueur de Camille, on veut protéger ce cas santé. Après, il y a toujours beaucoup de trucs dispo. Hein. Et la Vayne, le TF. Après, tu te fais swap lane et c'est dur. Hein. T'as pas beaucoup de ressources sur ces champions-là. Mm-hmm. Ça peut être compliqué. On va voir les choix. Il peut aussi reste go. Pas beaucoup d'ADC. Hein. Ouais, toi, il peut aussi go juste sur du gros tank. Est-ce qu'il joue quoi en ADC? H. Ouais, et H en face? Non, c'est ban, mais Aphelios. Aphelios, c'est bien. Ah oui, H et ban aussi, ok. Aphelios contre Kalista, c'est très sous-costé. Je trouve que le champion est vraiment pas mauvais. Il y a un trash potentiel pour Myrtus. Enfin, il peut jouer soit face avec de la Lulu par exemple. Et le late game de Solari, les deux carry là, ouais. Corki Aphelios, c'est vraiment puissant. C'est vrai que la H était ban, ouais. Donc du coup Lulu, Thresh, Aphelios, on sait que c'est fort en lane. Après, est-ce que Thresh, Aphelios, tu gagnes dans Renata? Tu peux tenter, sinon il peut les Lulu, hein, tout simplement en Myrtus. Hein. Bah, s'il y a un Zac, un Thresh, c'est vraiment très bien déjà pour cancel, cancel les E. Après, tu peux déjà cancel avec la Sejuani, donc ça sera quand même lock. Donc probablement Zac dans Kassanté. Matchup tout à fait correct. Bon, j'imagine le Thresh, hein. Je pense que le Thresh a beaucoup de viol. Imagine il lock. Imagine il lock Master, il serait légendaire en vrai. Dans la compo en face. En fait, c'est que c'est pas si horrible. Non, non, mais il lâche. Oh, monsieur. Non, mais arrête de troller, par pitié. Arrête, il commence à me donner de l'espoir, ce Master, mais je ne sais que ce ne sera pas un I, ce sera plutôt une Rek'Sai. On compte vraiment sur Nayun pour faire une énorme game en termes de dégâts. Un Yi coréen, mon rêve. C'est vrai que ça aurait été mon rêve, mais quand il a montré Kindred aussi, j'étais chaud pour Kindred. Kindred, c'est pas mal aussi, je pense. Ah, mon pote, tu vas go Lulu, moi je pense. Thresh, hein. Ah, Thresh, c'est bien, mais pour moi, il va go Thresh, c'est trop fort. Cancel Zac, tu peux repositionner, parce que de toute façon, globalement, tu joues pour les deux carry. Après, Lulu, c'est forcément bien aussi, tu peux peel, tu peux aussi cancel le Zac avec l'ulti.
Et ça, c'est un Nautilus. Pourquoi, bro? Bah, je pense qu'il essaye de speedrun un record de mort dans ce split. Ah, je trouve pour un last pick en sup, je pense que Thresh était vraiment pas mauvais. Ouais, je pense que lui était bien. Après t'as du cancel sur Ozak parce que t'as quand même Sejuani et Kass peut vraiment bloquer pas mal de monde. Peut-être que la discussion se tournait autour de. On manque d'engage. Ouais, d'engage et puis il faut un lock pour les carry. Tu vois, même si tu joues sur l'engage Sejuani, c'est un petit peu léger et du coup là tu permets à. Un peu au carry de s'exprimer plus sur l'engage, il peut aller chercher un ulti sur la Kalista, sur le Azir qui peuvent pas vraiment l'esquiver. Je pense que c'est pour jouer le front to back en teamfight et, mm-hmm. et supporter un peu la stage qui offre en vrai pas beaucoup de setup. Hein. Et là tu rajoutes un melee qui peut aller chercher aussi les auto-attaques pour le E de Sejuani. On lui fait confiance. Ah, oui. Je confirme Myrtus et son Nautilus. De composition intéressante, de composition vraiment on a besoin que l'Azir soit très très bien. On va voir aussi Rek'Sai Isaac, on sait que ça passe devant. Ça a quand même des dégâts et ça peut être dérangeant. Là où du côté de Solary, on va jouer sur les time package, on va attendre, on va scale un petit peu. Et une fois qu'on a scale ce Aphelios Corki avec en plus un cassanté, ça va être très très difficile de les bouger. Une partie qui peut durer, Robin. Ça peut durer. Après, tu vois, je me dis, Solary a vachement joué la sécurité avec la draft. Beaucoup de scaling, de carry, grosse frontlane. Mais en vrai, à Aegis, ils peuvent jouer. Hein. En early, je pense qu'une Rek'Sai, Isaac va probablement un peu gagner les débats au top. Si tu passes devant, ça peut être intéressant de voir ce que Aegis a à faire. Ah, une game intéressante, la première de cette soirée de LFL. Solary contre Aegis, c'est de suite. Entre dans la faille de l'invocateur, on va voir aussi s'il y a soit plane ou non, il y a un pick de Ozak, après tout, tout est possible. J'ai l'impression qu'on va avoir des phases de lane relativement classiques, il semblerait, à moins que le Aphelios et le Nautilus soient coquins, et Solary a peut-être train le swap lane, et voir Myrtus en swap lane, je sens que je vais me mettre très bien. Après, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à swap? Je pense qu'ils ont peur de leur phase de lane en bot lane. Ce que je peux comprendre vite fait. Après, c'est eux qui ont choisi le match-up au bot, hein. Ça a été pick en première rotate et ils ont choisi ces picks-là. Après, ils ont peut-être choisi dans l'optique de swap lane, c'est possible aussi. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr que la Ward les a vus pour l'instant. Enfin, en tout cas, ça, je ne pense pas que ça a vu Myrtus. Maintenant, c'est sûr que ça a été repéré. Et du coup, quelle sera la réaction de Aegis sur bah, du coup, ce swap lane? Ils sont complètement vus les Solary. On va prendre la plante. Je ne sens pas lieu parce qu'il y a un Nautilus qui va l'embêter. Hein. L'air de rien, mais ça va, il va sortir à temps. Est-ce qu'il tente de nous faire value? Est-ce qu'il tente de faire un grand commit peut-être sur le Corki? Ça peut être intéressant de venir mettre quelques dégâts, mais Myrtus est derrière lui, donc il va juste partir vers le bot side. Et un Venurem aussi qui se rend disponible. Et c'est vrai qu'ils vont juste split la map, faire un swap lane tranquillement et assurer leur league game de ce Aphelios. Ouais, Tiki qui joue bien les trades sur le Azir en début de partie. Alors, il y a un flic pour se remonter, mais... Quelques bons petits trades au first strike et on va avoir du coup un swap lane et on se dirige déjà très rapidement vers une game assez lente où Solary jouera probablement sur les packages de DK. Alors faut voir si dans le swap lane, il y a un moment où ça pète un plomb au nom de DK qui met un très bon trade hein, qui a pris le W au niveau 2 qui vient embêter un maximum le Azir. On sait que la tenue de lane de DK est parmi les meilleures tout simplement en LFL. Bah personnellement, j'aurais bien aimé le voir évoluer en playoff le split précédent, parce que je pense que Solary était une équipe très en forme sur la fin de saison. Malheureusement, c'est pas passé pour les playoffs. Double démolish hein. Pour Aegis, on s'est permis d'attendre. Ouais, clairement. Parce que je pense que tu prends pas démolish, même si tu gagnes un peu la lane, ça a pas trop de value. C'est bien ce qu'ils font, ils ont bien stacké une wave, on voit qu'il y a beaucoup de casters. Après, c'est relativement bien fait aussi du côté de Solary. La tour va forcément prendre plus cher pour Aegis. Et on swap back pas hein, du côté de Solary pour le moment, juste on s'occupe de taper la tourelle. Ils sont vachement en retard forcément avec la réduction de dégâts, mais de toute façon tu swaps pas vraiment pour aller chercher des plates au top, c'est juste pour, bah, comme tu l'as dit, éviter un petit peu un mauvais match-up en early, se donner du temps et ensuite retourner sur une disposition un peu plus classique sur la map. A la rigueur, il pourrait rester top jusqu'au Void Grubs, même si c'est un petit peu tardif.
Mais si c'est leur focus dans la game, ça pourrait être intéressant avec un Corki, un Aphelios. Là où en face, pour taper les tourelles, c'est attention, plus attention, dur. Attention, il a téléporté, mais il y avait encore la potion de Solari qui a été très intelligent, qui est resté ici. Superbe flash de... Bah lui, en effet, il est niveau 2, donc il n'est pas si simple à dive. Son flash était super important, et du coup, il va pouvoir défendre cette tourelle pendant qu'on continue de push sur le bot side. Par contre, sur la prochaine wave, Hayward. Outplay sans flash, avec une Sejuani qui est aussi présente. Bonne chance à lui, Baldu qui va essayer de s'enfuir, son E qui passe pas très très bien et casse le contact qui fait beaucoup de dégâts. Mais avec une Sejuani red buff, est-ce qu'il peut venir à bout de ce Zac? J'ai pas l'impression. Baldu a très bien géré le coup, mais non, c'est le cas santé qui TP botlane et qui va récupérer les ressources. Ouais, mais Kras, il y a déjà bientôt plus de tourelle en réalité. C'est vrai ça. C'est quand même assez mauvais pour Baldu. En vrai, il a survécu donc il deny pas mal de ressources, mais il fait beaucoup la de. La merde, Kras, hein. Beaucoup de ses soit tour, je pense qu'il peut s'en sortir tranquille en vrai. Il a un ghost, il a passé niveau 3 aussi. Ça. Il peut pas vraiment mourir. Mais quand même, oh, pourquoi il y a Citrus derrière. Je pense que ça a été vu. Ouais, il n'y a pas d'option de kill. Et puis du côté de Bin, je pense qu'on veut pas que c'est rare qu'on voit une tourelle tomber aussi rapidement. Bah, tu l'as dit, ils ont bien géré les waves, les démolish. On a probablement un peu optimisé les procs et tout. Et ils l'ont bien géré. Mais du coup, on est très content ce soir pour Aegis. S'il a duré tellement longtemps que ça nous tente de prendre une tourelle, le Zac est pas en dehors de la game, même si évidemment pas du tout, ça va pas être la partie la plus simple, mais t'as une Kalista qui a énormément d'avance. Enfin énormément, j'abuse en vrai, y'a que 300 gold. Mais si tu avec Renata, y'a de l'avance. J'avoue que c'est pas si énorme que ça, je me demande si Texet a réussi à prendre une plate ou un truc en solo. Surtout Myrtus n'a touché aucune plaque, je pense. Ouais, bah, de toute façon l'écart au gold le plus élevé c'est entre les deux supports, donc on... On se doute bien qu'il l'a laissé et on continue de swap. Pour l'instant, Badlulu est encore sur le top side. Ils veulent dive. Hein. Et la botlane est déjà là. Ils veulent potentiellement dive. La Rek'Sai va se rendre dispo. Elle va attendre que la ping soit supprimée par Venurem. Et on pourrait aller chercher une tentative de dive. On voit Ekas qui fait le déplacement pour cover un petit peu. Il n'y a pas de TP sur le casse santé. Ça paraît compliqué quand même le dive. Mais un bon petit hook trouvé sur Myrtus. On va se permettre de tunnel in pour la Rek'Sai. Est-ce que c'est pas un peu deep avec le stun de Sejuani? Ah, il a pris beaucoup de dégâts, mais il arrive à se repositionner pour le moment. On va essayer de chase. Mais surtout, on leur a coupé l'accès à la tourelle. Et c'est ça qui est très très important. Les Solari doivent aller sur la tourelle. Regardez tout le farm qu'ils sont en train de perdre ici. Le Kuspal de Badulu est très très bon. Myrtus prend de bons dégâts. Il est forcé d'utiliser son ongle pour s'en sortir. On flash in. On va très très deep. Pompid qui n'a pas les dégâts. Il vient peut-être de se suicider. Mais il arrive à se repositionner. On se repositionne aussi avec un flash du côté de Myrtus. Texet qui a les chakrams, qui a envie de se battre ici. La Aegis, attention à ne pas aller trop loin non plus parce que Bin est extrêmement low life. Ouais, il y a le Azir qui est en train de faire le déplacement sur le top side. On joue un petit peu aux limites du côté Aegis. C'est un petit peu risqué avec les bonnes armes du Aphelios. À l'opposé, c'est le Castanté hein, qui se met bien au niveau des ressources forcément. On prend des petites plates, on deny du farm aussi. Et qui arrive. Qui arrive, on flash pour Venurem, on va attraper Texet. Le flash out était pas assez bon ici, ça a connecté tout de même, c'est un premier sang pour la Kalista, mais on perd le passif de Zac, on perd aussi la Rek'Sai. Il va falloir réussir à le défendre. Le Azir est présent en effet, mais attention, les dégâts de Tiké sont très très beaux et c'est un double kill pour un Corki pendant que le Cassanté aussi se met super bien. Et là, les Solari sont plutôt contents de l'échange en vérité. Ah, je pense qu'ils sont assez contents parce que c'est deux kills sur le Corki de DK qui a fait le déplacement un petit peu avant. Le Azir, il a accepté de lâcher sa wave au mid et ça lui a plutôt bien réussi. En réalité, il est même devant au farm pour l'instant. Et DK qui fait une très bonne opération, bonne coordination entre la Sejuani et le Corki pour récupérer le passif du Zac. Ah, le Cassanté s'est régalé. Kryze est super bien dans sa game. Ah, le flash-in est bon ici, il arrive à connecter malgré le flash-in. Je crois qu'il a anticipé. Venurem, non? Ou ça, je connectais juste avant ça la frame, juste avant le flash. Par contre, on s'est pas attrapé pour Texet. On s'est fait ramener par un ultimate en live de Naeun. Donc on revoit évidemment le kill de DK, bien timé sur... très très bien timé sur le passif du Zac. Bon, ça a profité au soliner pour Solari. Par contre, la botlane de Aegis est vraiment loin devant. Si on fait un micro bilan. Ouais, bah Texet s'est un petit peu raté sur son flash au top. On va revoir, ouais, en plus il y avait la Rek'Sai. C'est vrai que la partition n'a pas été utilisée sur le top side. Forcément, Texet sans flash. On l'a vu sur le replay précédent. Se fait punir instantanément. Alors ça par contre, le Cassanté, ils peuvent pas le toucher. Hein. Pour moi, c'est juste les crops qu'il faut aller finir pour ces trucs ici. Ouais, ça paraît compliqué. Kryze qui va défendre ça. Ouais, Kryze est très très bien. Hein. Les grands perdants, c'est Badulu et Texet, tu l'as dit. Et en vrai, avec une menace en moins du côté Solari, parce que bon, Texet va mettre un bon bout de temps à être en place, est-ce que tu peux réussir à passer la compo Aegis en teamfight? Parce que t'auras que le Corki. Et en vrai, le Corki, il a quand même besoin de temps. Il a fait un passage par un ex-drinker.
ça va être un petit peu long quand même pour les Solari. Le truc, c'est qu'en face, il n'y a pas non plus une frontline de fou, vu que le Zac est hors de la game. Littéralement, il est en dehors de la game. Ah, ils ont beaucoup de dégâts. Hein. Le Azir, la Kalista, Renata. Tu t'empales en plus dans, tu sais, Renata avec l'ulti, le revive. C'est pas si simple. Ah, Texet, il se remet bien. Hein. Si tu arrives à récupérer cette tourelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et sur la top lane, est-ce que Kryze, lui, arrive à défendre? J'ai l'impression que pour le moment, il temporise pas mal de wave tout de même. Et surtout, lui, là où il temporise ses waves, il prend l'XP, il prend les gold. Lui, on le voit, il est obligé de respecter. Je trouve qu'il fait un bon travail à ce niveau-là. Alors, on va peut-être essayer de dive Kryze, ou peut-être prendre la tourelle et ensuite gérer le dive. Ouais, il va pop le ghost. Ah, ils vont être patients, Aegis, ils vont taper la tourelle. Ah, c'est malin ce qu'ils font, et Kryze va juste avec s'en aller. Il y a le Azir en effet, mais c'est un cas santé. Je parie qu'il va s'en sortir tranquillement. Et Aegis respecte le champion Broken, à moins que Nayun tente quelque chose, mais je ne vois pas comment tu viens à bout de ce cas santé. Je crois que la partition est dispo, mais il peut buffer un Z dessus et pas se faire ramener. Du coup, petite plate pour DK. Ah, on respecte le cas santé. Kraken quand même pour Tech7 avec la tour au bot. Bah, il est pas si au fond. Et puis il y a le premier dragon qui a été récupéré par Solari dans cette histoire. Je pense qu'ils sont un poil gagnants. Ils ont pas laissé non plus passer tous les Void Graves. Il y en a un qui a été récupéré. Les Solari. Je pense même qu'ils ont récupéré le premier. Ils ont pris le premier quand ils étaient top side, à mon avis. Ekast a pris, juste pris l'XP et lâché le reste. Donc en vrai, ils sont pas mal. Juste Tech7 qui est un petit peu en retard. Bon, un Kagol quand même, forcément. En vrai, l'autre aussi qui a pas mal souffert de ça, c'est Myrtus. Hein. Il est que niveau 4. C'est très difficile de jouer dessus dans ces conditions, honnêtement. On va essayer de go in sur Vin, il y a une cleanse qui va être utilisée directement. Une même qui permet à son Karate de se repositionner. Bon, je pense honnêtement c'est clairement un move pour forcer la cleanse. Oui. Histoire de récupérer l'ulti Sejuani et de l'avoir de disponible sur le prochain fight, prochaine escarmouche au niveau du respawn Void Grubs, potentiellement 1 minute 30, ce sera à peu près l'ulti Sejuani je pense à ce timing. Et il n'y aura pas de cleanse, donc une cible de choix cette Kalista. Le Azir Liandry first, c'est habituel? Pas forcément. En vrai, Liandry first, c'est plus un truc qu'on voit quand il joue poigne, le Azir, mais là il joue flit. Donc voilà, un petit peu surpris, mais bon, on peut le comprendre. Il va taper probablement 3 front laners très tanky. Carrément. C'est pas un mauvais choix, je pense. C'est forcément un item qu'il aurait fait plus tard dans la partie s'il l'avait pas fait en premier, mais je peux comprendre le choix quand il va taper Sejuani, Cassanté, Nautilus. J'ai l'impression que pour Aegis, on va avoir envie de jouer le respawn des Grubs dans 50 secondes. Sur leur composition est relativement forte maintenant, il faut l'utiliser. Je vais entre les timing paquets notamment. On a l'hydro titanesque de récupérer sur Citrus qui a une recta qui va faire mal l'air de rien. Ouais, vœu de chevalier pour Ekas, qui va pas tarder à aller sur son Solari. En vrai, le stuff de Sejuani est complètement en promo. Et avec les deux assists. Ekas aura énormément de value en teamfight. Si on veut funnel ce Corki, hein. 120 CS, 2 kills, et très très bien DK. Tout va un peu reposer sur lui, et pour les prochains échanges, on a la TP, on a le package qui est dispo à la base. Donc ça sera pas forcément si simple que ça pour Aegis, même si pour l'instant, pas d'item complété, pas de mana mun stacké. On va quand même respecter le package, ça fait toujours son effet en teamfight. Pas une compo si simple que ça hein, pour gérer autour d'un package les Aegis. Et tu disais, on est sur le respawn des Void Grubs. Ouais, y a pas de ken sur Akalista. Il y a un timing évidemment, Ekas l'a vu. Dommage. Ah dommage, c'était vraiment close et c'était une bonne idée de sa part. Soit ils forçaient le flash, soit ils arrivaient à prendre un kill ici avec un flash improbable de Myrtus en follow-up. Bah c'était le move hein. De toute façon on a forcé la clé tout à l'heure, c'était un peu ce qu'on cherchait. Mais ça a bien été respecté par Bean. Ah, il va avoir quand même 5 Void Grubs hein. C'est pas mal hein. Ouais, on se prépare pour le Drake du côté Solari. On imagine que DK va peut-être lâcher une wave pour prendre le package et y aller. C'est un peu tôt ce base s'il veut prendre le package maintenant. Il faut peut-être tenter sur une ward qui est derrière. Bah, mais il y a les flashs. Ah, il a son manem. Il refera un base dans une bonne minute pour le package et timing dragon. Je sais pas s'il va réussir à push sur le Azir en side. Et en vrai de vrai, si Aegis laisse passer ce Drake là. Ben, il y a peut-être une T2 top. Hein. 5 Void Grubs, tu laisses le Azir au top. Il prend une T2, je pense. On va voir ce qu'il décide de faire. Mais t'as vu qu'ils vont fight.
et essayer de créer une différence. Maintenant, ils ont une Kalista qui est tellement big qu'il faut s'en servir le plus rapidement possible. Après, Kalista, l'état de tempo, devant, bon. C'est clair que c'est pas le Karadek qui fait le plus de dégâts, mais dans la game, en soi. Oh, en vrai, je pense qu'ils ont une. Ça va être un... c'est une game. Avec... vu qu'il a Renata en plus, je pense que Bin peut peut-être nous surprendre. On peut avoir une Renata qui. Une Kalista qui est le personnage principal. Non, mais je pense qu'ils peuvent vraiment faire des trucs là en fight. Les Aegis, même avec le Liandry, on peut aller chercher des dégâts, on peut jouer le fight. Ils vont déjà jouer le héros de la fight, le top side est à eux. Et du coup, on lâche quand même beaucoup du côté Solari pour un setup dragon. Mm-hmm. Pour l'instant, pas de package, je crois. DK, il l'a pas sur lui, non. Puis il y a une belle wave au top hein, qu'il faudra gérer du côté de Solari. Venir même qui va mettre un petit poke sur Ekas. Donc pas si petit que ça, il est en train de se faire allumer. Ekas il est forcé. Deux flash out, on enchaîne tranquillement sur Mertus qui lui aussi prend un gros midlife. Et le Drake est plus si simple que ça. Hein. Avec Ekas qui a pris beaucoup, on le voit aller dans la river. DK il est obligé de base pour aller jouer le paquet. Il doit d'abord gérer cette wave, potentiellement la prochaine aussi. Et en réalité, on a laissé passer les Void Grubs, on a laissé passer le héros de la faille. Et maintenant, on va potentiellement laisser passer ce dragon. Après, on voit des pings sur le top side, on n'a pas envie de le jouer. Hein. Je pense que les Solaris vont devoir le laisser. Alors, leur composition n'est pas trop dérangée par le fait qu'il y a un dragon partout, qu'il n'y ait pas de fight. Par contre, sur la midlane, Nayun a un super positionnement ici. Il va falloir avoir des bons flashs du côté des Solaris. On flash pour suivre évidemment le flash de Mir, c'est des bons. Mais Tekset, lui, s'est fait ramener et Badelu se permet de prendre un petit kill, ce qui lui fait du bien. Il faut aussi que Badelu prenne quelques ressources. Il a bien raison. On va extraire maintenant sur la midlane. On envoie le Azir défendre le push du Corki sur la top lane qui n'aura pas accès à la T1. Il y a Rek'Sai qui est en chasse. Hein. C'est pas si simple pour le Corki de sortir, honnêtement. Il a Shatan en plus. Hein. Bah, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort, DK. Alors, il va peut-être essayer de trade kill sur la Rek'Sai. Il n'y a pas de partition impériale, mais Cetrus, il a encore son ulti. Une fois qu'il trouve le bump, c'est terminé pour ce Corki. Va se faire one shot. On va même mettre l'ulti de Rek'Sai si besoin, mais je pense qu'il va le garder. Et on va donner le kill au Azir. On le joue doucement du côté de Aegis. Et DK va tomber. Interruption sur le Azir. Très très bon play sur la carte de Aegis. Ça joue très très bien chez Aegis. On bouge bien, on récupère les objectifs, on trouve ce petit trade sur la mid lane qui nous permet de récupérer le dragon. Attention, la tête de top. Hein. Ouais, s'il laisse personne, ça enchaîne en réponse. Bien. Parce que Solari, ok, ils ont le temps, ils ont une compo qui scale, mais les Aegis ne vont pas forcément leur laisser. Du coup, c'est 2-0-1 sur le Azir maintenant. Il a 5 Void Grubs. La T2, elle va tomber très vite. Alors, par contre, attention, il y a Corki avec une ward derrière, un package et une TP. Ah, il faut s'en aller rapidement. Et Nayun l'a compris. Et il a un super timing pour partir. Ah, c'était un trinket bleu, il pouvait pas TP dessus de toute façon. Après, je pense qu'il y a même. C'est deux trinkets bleus, tu penses? Bah, le deuxième au raid, je suis pas sûr, mais celui derrière, on l'a vu avec la caméra, c'était un bleu. Mais bon, même dans l'idée, en vrai, il TP sur la tour, la move speed, le paquet, oui. Je pense qu'il peut le chase. Ah, non, c'est ce qui se fait contester sur la prise de vision. On joue très très haut, on joue très bien ce truc, c'est Evenuerem en tandem. Ah, la game devient compliquée parce que le Azir. C'est vraiment remis très très bien. D'ailleurs, c'est le Azir qui téléporte pour aller chercher peut-être DK, mais bon, DK, il est large, il a encore son flash, il a encore son W, il se repositionne facilement et la Aegis veut le mettre du rythme et veut le jouer sur son topside. Après, il n'y a que 1K gold, DK, il y a un Kull qui va se compléter dans 4 CS. C'est pas non plus tragique pour les Solari, mais la map est quand même bien ouverte. On est pas loin de tomber une T2, le Azir est un souci, la Kalista, tu l'as dit, avec l'étal tempo, ça peut être dur. Et on enchaîne sur Tekset, il a pas de flash de la partition impériale au mid tout à l'heure, il va se faire récupérer, on pourra pas trahir du tout pour les Solari. Et on joue vraiment bien, on fait un peu l'essuie-glace entre les lanes, et à chaque fois on récupère les erreurs Solari, ça joue clean du côté d'Aegis. Cetrus est impressionnant. Bah, les travaille sur la carte, mais même Neyun. La manière de Goin et tout. Je pense qu'il y a aussi la connexion entre les deux. Enfin, le move où ils vont à deux au top, le move où ils récupèrent Tekset quand il revient au mid avec la partition, c'est les deux ensemble. Il trouve des bons angles aussi avec son Azir, hein. fait une grosse game. Ah, ouais. Mais je te rejoins, les deux Coréens chez Aegis, ça clique. Là, Cetrus, bah, il hésite pas une seconde, il n'y a pas de flash. Il punit de suite. Juste à Sejuani qui était plus sur le top side, qui avait peur d'un dive sur le Corki, du coup, qui était un petit peu dans le vent, qui pouvait pas aider. Tekset qui passe pas sa meilleure game, hein, clairement. Il est pas mal focus par l'équipe adverse. Après, ça part d'un flash raté, en vrai. S'il réussit son flash au top sur le move, il meurt pas. C'est vrai. Je pense que c'est peut-être plus la catastrophe. Mais oui, il passe pas sa meilleure game, clairement. Forcément, hein, on se fait pas mal focus. Mais c'est là où j'aurais préféré peut-être un thresh, tu vois. Pour ce genre de choses. Mmh. Donner un peu plus de temps, il y a la lanterne, il y a les cancels. De tunnel, les cancels du Zac. Oh.
au Flay, au Solaris sur Bin peut-être, ou peut-être sur Citrus. Citrus qui a pas grand chose, hein. Citrus qui est en train de se faire attraper ici avec Starexa, il a pas eu toute solution. Bien joué. La couverture de bonnes choses, là il s'est un petit peu perdu sur la carte et surtout les Solaris ont très bien joué. Ah, il est pas si tanky que ça, hein, Citrus avec son Titanesque. Il a des oui. Mercures certes, mais enchaînement de CC de Sejuani, Nautilus, c'était un petit peu trop. Je crois qu'il avait pas de tunnel non plus. Et du coup, on récupère ce petit kill qui fait du bien au Solari. Ah, il joue autour de DK, on joue beaucoup autour du Corki, peut-être aller récupérer la T1 top lane. Ah, il y a Kryze aussi qui est très bien, hein. Plus la compo. Enfin, plus la game avance, et plus il y a des choses à faire. Et là, sur ce. Bah, il n'y a plus de tourelle. Ah, mais il n'y a pas de lieu qui a une TP. Hein. Ouais, ouais, mais la TP, la tourelle qui va tomber, pas de lieu, la téléportation ne passera pas. Et Dayoud se retrouve seul face à 4 joueurs sans aucune solution. Une interruption sur le Corki de DK et les Solari dans ces dernières 30 secondes. Ont vraiment très bien répondu et font mal au Aegis. En vrai, sur ce timing, franchement, 30 secondes plus tard, il y a un petit Nashor en cadeau derrière. Si on avait perdu une TP, le Azir qui tombe pendant une trentaine, quarantaine de secondes, ça pouvait coûter cher, mais ça coûte déjà très cher. Hein, honnêtement, en gold, on est repassé devant pour les Solari à peu de choses près. Parce qu'on n'a pas le premier package en plus, parce qu'on a Malfaisance du côté de DK. Ah, il a pris son package DK pour ce Drake. Le Azir en retard. Deux items, malignance complétée. Il a complété malignance, hein, DK. Là, c'est Solari maintenant qui a la main, c'est eux qui peuvent engager s'ils le veulent. Ils ont le niveau 11 sur Ekast. Ils ont la priorité pour le dragon. DK va faire beaucoup de dégâts, niveau 13 DK. Ça répond bien du côté Solari. On s'est bien remis dans cette partie. Et là, il y a le package. On va zoner un petit peu avec le POC de DK, les roquettes. Ce sera un dragon récupéré. On va laisser passer. On peut pas vraiment trade sur le Baron Nashor parce que pas de setup. Le Azir était mort, donc on sait qu'on a un petit peu le temps pour Solari aussi. On va peut-être tenter quelque chose avec le package. Fin de package, il reste une quinzaine, vingtaine de secondes. On va tenter l'engage pour Myrtus. Ça sera très bien flash out de la part de Bin. Et le play est un peu avorté. Est-ce qu'on pourrait re-engage pour Aegis? Ouais, flash pour flash. On essaie de re-engage sur Bin ici qui. Ça, il se fait bien. Venurem qui est en train de prendre tarif. Enfin, les Solari, ils peuvent jouer juste avec leur range. Leur range de Aphelios et de Corki est vraiment immense. On n'est pas forcément obligé d'aller ultra deep parce qu'il y a toujours ce ultimate de Renata. Et un bonne gestion des roquettes de la part du DK qui en a encore 3-4 à chaque fois. Récupérer les waves au mid. Ça commence à faire des dégâts pour DK qui est que sur deux items. Mais bon, c'est deux items, deux dégâts. Probablement Malmortus 3, GA4. C'est un peu le classique build qu'on a vu pendant tout le MSI. Est-ce que Aegis va trouver un timing pour jouer le Nash? Alors, sachant qu'il n'y a plus de package, il n'y a plus d'ultimate sur la Sejuani. Je pense que c'est un bon moment. Ils vont trop loin dans la game. La composition sur cela, il va vraiment les outscale. Dominique pour Tech 7 en 2. En plus, c'est truc, ça rose son flash. On sait que Rexha est quand même un champion qui a besoin du flash pour fight. Bah surtout dans une compo Solari où clairement la seule cible que tu veux flash c'est le carry en face quoi. Et c'est très probablement ce Aphelios. Ou le Corki en cas. Après le Corki. Oh. Bon, en positionnement de Myrtus. Oh, on va trouver le hook. On va le tenter sur Neyun, mais il y a Citrus qui va directement d'Ashid. On trouve les CC avec le Zac. On va pouvoir enchaîner. C'est déjà un kill. Très bonne ulti Renata dans la backline. Kryze qui tente un kidnapping sur le Azir. Ça fera 1 pour 1 dans ce teamfight. Venurem qui est obligé de flash out. Ah, y a et on va s'arrêter là, attention quoi que. Et Cass qui continue, flash in. On va trouver un deuxième kill pour les Solari. On va essayer d'enchaîner potentiellement sur ce Zac, potentiellement même sur cette Kalista. Ça fera 4 pour 1. Il y a un passif derrière. C'est Trus qui va devoir flash out lui aussi. Il y a un passif en effet qu'on va récupérer évidemment facilement les Solari. Pour la différence ici. Cass tenté, jusqu'à tenté. Le fight était un petit peu loose et il a trouvé un kidnapping sur le Azir qui avait encore son flash. Et très bon endroit pour fight du côté de Solari. On avait DK et Tech 7 en free DPS en permanence. Est-ce que la Rek'Sai peut faire un miracle et venir steal ce Nashor? Je ne pense pas, on va l'abandonner évidemment. Et là Solari avec cette composition, avec un Nashor, ça sent très bon. Ouais, ça sent bon pour les Solari qui se sont bien repris ces 5 dernières minutes. On a trouvé deux très bons plays, trouvé ce Drake avec ses top package. Et là ce fight, alors la re-engage de Myrtus, elle est un petit peu compliquée à voir parce que je vois Citrus d'Ashin, il y a un très bon ulti Renata qui va zoner DK et un petit peu Ekast aussi. Parce que DK il le prend. Et il peut pas jouer, il peut pas jouer, il essaie de se repositionner, mais il y a eu un très bon dash en follow-up de Ekast. Et derrière Tech 7, hein. Tech 7 avec cette game qui était un petit peu compliquée, il a deux items, il canarde, et on enchaîne bien avec l'ulti Sejuani, avec le cas santé. Et on en trouve quasiment un ace, un Citrus forcé de flash out, on se permet même de revenir chercher le passif juste à la fin. En plus, très très bonne nouvelle pour Solari, Tech 7 a pris l'interruption sur la Kalista, donc là où il était un petit peu en retard en termes de gold, bah, on le voit, il a complètement comeback, on s'est envolé pour les deux solo lanes de Solari. On avance maintenant plus que confortable. Nayun
un positionnement intéressant de flanc. On a Badlu qui est vu, DK qui va venir le zoner avec les roquettes. Ouais, la T1, c'est le dernier moment un petit peu compliqué pour les Solari. Il y a beaucoup de wave clear en face, il y a des angles. Push au mid contre un Zac, c'est toujours un petit peu dur. Même s'ils ont des moyens de cancel, ça peut être un peu difficile. Et on voit, hein, ça souffre du côté de Bin et Vignorem. Qui est 3 items. Et pareil, un Kreis avec le Demolish. Voilà, enfin, Badlulu, il a 2 levels de retard. Alors il y a une tentative avec Citrus, il a pas de flash, Kreis, pas de Ghost. Oh, il n'y a plus de creep, il y a plus de creep. W. On tente l'ulti, le E-in du Zac, je pense qu'il va tomber, Kreis sur ça. Il tente l'ulti. On va peut-être essayer de turn sur Bin quand même, les dégâts convaincants. Mais il force 3 personnes sur le bot side. Donc on a perdu T1 mid, T2 mid, potentiellement même là T3. Et en vrai, c'est un plutôt bon baron à charte sur passe-perte pour Myrtus qui avait potentiel partition impériale de Neyun. Je pense qu'ils sont assez contents de ça. Il va respawn tranquillement pour le dragon. On peut jouer avec le package. C'est pas forcément le meilleur powerplay Baron Nashor, mais ouvrir 3 tourelles mid, c'est bien. Hein. C'est déjà pas trop mal. Ah, c'est vraiment bien. Et comme tu as dit, il y a un dragon qui leur tend les bras. Ils ont encore une minute de Nash en plus. Ils sont vraiment super bien, les Solari. Maintenant, il va falloir réussir à conserver la vision, jouer avec la range, attendre l'erreur de Aegis qui va probablement venir. Et ne surtout pas, pour Solari, aller trop deep. Il faut juste pas que le Aphelios et le Dorky soient dans l'ultimate de Renata ou dans l'ultimate de Azir. Et si c'est pas le cas, je les vois mal perdre un combat. Bah, le Corki, ça va. En fait, c'est qu'il prend un ulti Renata, il fait rien. C'est vrai qu'il a. Les autos mettent pas tant que ça en réalité sur ce build. Sur la prochaine version de Corki qui arrivera avec les changements, oui. Mais sur celle-là, ça va encore. Le plus embêtant, ça pourrait être Tech 7, dépendant des armes. Il faut juste pas qu'ils prennent les CC tout simplement. Et c'est assez facile à dodge. Hein. Allez, bah, surtout avec la Valkyrie, mais l'écart au mid est un peu terrifiant. Hein. 3 items, il est en train d'avancer vers le 4ème DK. Probablement. Il revient avec Shogin. Un package pain. Ah, il a le package, ça vient fight et contest, on a package TP. Je crois qu'il l'a pas pris. Il l'a pas pris DK au vu de la move speed qu'il a dans la base, je pense que c'est assez tranquille. Ce qui est très bien de sa part s'il l'a pas pris honnêtement. Ouais, parce qu'il peut le garder pour le baron dans 2 minutes 50 potentiellement si on veut le forcer un petit peu. En vrai, sur un timing d'arme sur Tech 7, ça va assez vite. Il aura 3 items potentiellement dans 2 minutes. Il doit pas être très loin de son IE. Et en vrai, 3 items à Felios avec un chakram, ça burn le Nash, tu zones avec le package et on pourrait avoir un petit setup comme ça des Solari. 3 items quand même pour Bin qui vient de compléter le Terminus. Ah mais il n'arrive pas à exister du tout dans cette game. Bah, il a first pick, il se prend en casse santé Sejuani. C'est dur forcément, il y a une bonne tentative à chaque fois avec la Renata de zoner, mais bon, casse santé on a vu sur les teamfights, c'est pas simple et puis il se fait pas mal focus. Hein. Dès qu'on a des angles d'ulti Sejuani, on lui force sa clean, on va essayer de lui forcer son flash. Et puis là, tu l'as dit, les interruptions ont été sur les bonnes personnes. Quand on voit la répartition des ressources, il n'y a pas de kill sur la Sej, il n'y a pas de kill sur le Nautilus. Et du coup, forcément, ça devient compliqué quand la compo Solari est en place. Faire le travail de vision autour de ce Baron Nashor pendant que Kreis s'en met. Enfin, on donne plutôt à cœur joie sur le bot side, tu l'as dit. Et Badlulu, le truc c'est qu'il a pas de game, il peut pas jump deep dans la backline du tout, il se fait arracher, il a 3600 gold de retard. Il y a un item entier de retard. Ah, faut qu'il arrive à trouver Tech 7 potentiellement, parce que le Corki c'est dur, en plus il y a de la résistance magique, mais pff, ouais, c'est pas simple. Hein. Il a 2 items, mais. Il y a un 3ème item qui arrive sur Tech 7, quand il va l'avoir, il va avoir l'IE, FF. Bah, là pour le coup, FF. Bah, D'ailleurs, Tech 7, on le voit qu'il parle à la caméra. Il a dû dire à son équipe, bon les gars, c'est gratuit, juste trollez pas. Oui, non, mais je pense que là, ils savent qu'ils sont très bien. On joue très clean du côté Solari, on n'a pas trop forcé non plus. Sur le Baron Nashor, ils n'ont pas été trop loin, ils n'ont pas été trop gourmands. Ça joue une compo sécure et ils sécurent bien la game. Ça s'est quand même emballé hein. Pendant l'espace de 5-10 minutes. La sortie de phase de lane d'Aegis c'était assez convaincante avec Citrus et Neyun, mais. Et Solari. Oh, attention, Bin, il ne fera pas la coupe. Citrus qui a bien dodge le hook, heureusement. Parce qu'il y avait Tech 7 qui était là pour mettre en route avec le Gravitum. À la maintenant, chaque hook de ce bon vieux Myrtus est létal. Hein. Sur les Aegis, ils n'ont pas le droit de faire d'erreur. Sur un. Il n'y a personne qui tanque. C'est aussi simple que ça. Ah, parce que même le Zac, en vrai, niveau résistance, ça ne doit pas être trop ça non plus. Pas de Tabi. Après Aegis, bon, il y a quand même un Azir dans la game. Ouais, mais regarde son stuff. Il a pas de bande Nashor pour DPS. Parce que son stuff, je le comprends.
mais vu qu'il manque la dent de Nashor actuellement, c'est pas simple. Hein. Il lui faut tellement d'auto pour aller chercher la front. Nashor, c'est pas mal ce qu'on fait, ils ont réussi à reprendre un petit peu de vision, reprendre un petit peu d'informations ici. Hey, en vrai, là, les Solari, ils savent qu'ils veulent contester, du coup, DK intelligemment et base. Il y a des wards derrière eux, package plus TP, il va le prendre. Terrifiant. Et si l'engage se fait sur Mirtus, bon, il se fait un petit peu catch, mais il va y avoir un package plus TP. Et Mirtus, il va se repositionner, il a son ulti. C'est un très bon fight pour les Solari potentiellement avec ce package qui va arriver de DK. On va. Oh le Zac! One shot de Zac qui va tomber sous passif, ça fera un 0. On va essayer d'enchaîner. Venurem qui tente de flash in, mais on s'est un petit peu raté. Et Castanté sur Bin. Ouais, mais non, il y a le package évidemment, prendre le relais pour aller chercher Bin qui ne peut tout simplement pas jouer. C'est très très bien joué de la part de Solari. Double kill pour Kryze et son Castanté qui encore une fois fait la différence hier sur Skarner. Aujourd'hui sur Castanté, il fait des games absolument sublimes. Le Baron Nashor est évidemment facile pour la team d'Ami. Et l'aura de la win, ça sent très très bon. Ah, je sais pas si c'était vraiment voulu le catch sur Mirtus. Et de jouer un petit peu, entre guillemets, l'idiot du village, de te faire catch. Parce qu'il a quand même réflexe flash et tout. Donc je pense l'idiot qu'il est pas. L'idiot du village. Bah tu sais, tu fais un peu le Golemon quoi. Le Golemon. Mais je pense que c'était pas voulu à 100%, mais il y avait DK à la base. On savait qu'on avait le package. Ah, pour le coup, le fait qu'ils s'engagent sur lui. Ouais, surtout ils s'engagent alors qu'il n'y a ni Kalista, ni Azir pour DPS. Oh, puis le Zac se fait. Mais le Zac il se prend. En vrai, c'était bien fait descendre avant la rocade. Juste accepte la Anidée. Ouais. Et là qui a santé. Et très bien joué de la part de Kryze. Hein. Après, je pense que Venurem aurait potentiellement pu jouer un petit peu plus le fight pour gêner le cas santé plutôt que de tenter son flash dans la backline. Mais bon, dans tous les cas, je pense que quand le Zac tombe, le fight est déjà perdu. Il y a package sur le Corki. Et là, du coup, on a le Baron Nashor. On va forcément enchaîner pour les Solari, pour le buffer de Citrus. Oh, Bin, c'est difficile. Il y a qu'à sauter sur lui. Il y a une autre qui va connecter. La Kai'Sa prochaine, mais il a un flash. Taeyoon qui va tenter le play. Legis qui essaye de répondre. Est-ce qu'ils ont les dégâts? J'ai pas du tout l'impression. Les barres de vie de Solari restent extrêmement élevées. Maintenant, on va pouvoir dive facilement. Regardez le Corki qui bombarde sur Taeyoon. Le cas santé aussi avance. Les Solari vont récupérer leur deuxième victoire sur cette première semaine de LFL. Et solide, hein. Solide, honnêtement. Alors. Grand respect au Aegis quand même qui montre que ce mercato a été très bon de leur part. Il y a eu des très bonnes tentatives en sortie de lane. Bonne ulti Renata, mais ça suffira pas malheureusement. Même le Cassanté mourra pas avec la récupération du shield. Mais en réalité, Solari était en contrôle. Ils ont repris la main sur un de catch et ça a enchaîné à une vitesse fulgurante. Et puis très bonne game de leur part. Les slow laners ont été plutôt contents de ce swap lane. Et ils ont tenu leur rang les deux dans les teamfights. L'impact qu'ils ont eu était démentiel. Taxel qui est peut-être un petit peu déçu de son early game, mais il a pris aussi beaucoup de focus. Il a fait un mal de flash in, etc. C'était pas si simple. Bah oui, de toute façon, il y a toujours des gagnants et des perdants sur le swap lane. Et forcément, c'était un petit peu compliqué pour ce Aphelios qui s'était fait beaucoup focus. Mais il est resté dans sa game. On a toujours récupéré des plates. Et puis en teamfight, il a fait son taf. Hein. C'est le fight au Raptor qui casse vraiment la game d'Aegis où il n'avait juste pas le droit de faire d'erreur. Contre la composition de Solari, ils ont fait une petite erreur et ciao. L'erreur en question. Cassanté qui en 1v4. Okay, Kryze a fait le play, c'est vrai. Voilà. Parce que bon, c'est vraiment juste Cassanté qui ramène en 1v4 le carry et le one shot. Quoi. Mais Kryze est trop clutch. Hein. Bah, hier, il a été très solide sur le Skarner, clairement. Il a solo kill en lane, rien à redire. Mais tu vois, ce split précédent, c'était un peu mon inquiétude. Kryze, il avait eu des coups de moins bien. Mais là, pour l'instant, ce début split, c'est très convaincant. Donc, on va voir s'il arrive à garder ça sur la globalité du summer. Mais c'est une très belle équipe Solari qui se montre à nous. Et bon, pour l'instant, le changement botlane, c'est pas forcément ce qui a eu le plus d'impact. Mais ça joue chez Solari. Ça joue très clairement. Ça va être une équipe qu'il faudra peut-être compter. Mais bon, ce n'est qu'à la première semaine. Pour Aegis, c'était intéressant aussi. Et pour débriefer cette game, on a Twix, Noix et Shriek. Messieurs, c'est à vous. Merci la team, on espère que vous êtes régalés pour ce match d'introduction et donc les Solari qui termineront cette première semaine de compétition à 2-0. Les amis, un petit comeback, gros comeback, petit comeback, comment est-ce qu'on le définit? Bon déjà bien sûr, on parle un petit peu du match et des conditions de draft, Azir Corki à la mid lane, des carries partout, mais surtout des Aegis qui jouent vaillant, early game, aggro, et qui sortent vraiment très très loin devant, je trouve, au niveau du swap lane. On récupère la première tourelle, en avance sur les mouvements de cartes.
zoning entre T2 et T1. Franchement, les 10 premières minutes de jeu de Aegis m'ont beaucoup plu. Peut-être un petit peu trop gros, justement, notamment sur le proxy T1, T2 sur le topside. Mais ça jouait. Alors oui, il y a eu des petits flashims, des petits go-in qui auraient pu se finir de façon plus tragique. Maintenant, derrière, ça donne un casse-santé en free farm, ça donne 2 kills sur un Corki, ce même Corki qui va les ratiboiser à la roquette quelques minutes plus tard. Ouais. À la fin, ce move, pour moi, c'est un peu le début du comeback de Solary sur cette game, c'est un peu le problème. Du tout. Ouais, c'est bon. T'as du mal un petit peu. Shriek, bon, bien sûr, ça a été un petit peu le début du retournement, dirons-nous. Mais quand même, n'as-tu pas pris un malin plaisir à voir des Aegis autoritaires? Ah, oui, bah alors. C'est une image qu'on n'a pas trop vue d'eux en 2024. Tout non, même. Moi, ma réflexion, ça c'est que mid-jungle, Nayoung et Citrus, ça joue très bien. On a vu que la plupart des catchs et des escarmouches se partent de ce Azir qui trouve Tekstet et Myrtus sur la mid lane qui n'ont pas le droit d'être là et hop, ça double flash plus un kill derrière à partir de là on court top sur un DK qui a pas le droit d'être là vu que sa bot lane est morte. Et donc en gros j'ai trouvé que c'était une très bonne synergie entre le mid jungle, mais justement ce dont on avait peur un peu c'est justement est-ce qu'avec le reste de la team ça allait le faire. Et il y a eu des grosses erreurs quand on est arrivé en mid game, et vu la composition Aegis, toute la draft tourne autour du mid-game. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire cette transition, on va se faire comeback par Aphelios Corki. Et comme le disait Noah, oui, Corki a pris des kills, ça, mais pour moi, Kryze, à partir du moment où tu donnes 3 plates, 1 kill qu'il a récupéré sur la mid-lane, il devient intuable. Parce que justement, le Azir n'est pas devant, la Kalista n'est pas un champion réputé pour détruire un KSNT. Donc derrière, c'est même. Regarde, on voit des. Oui, bah, ulti sur 3 tanks, bah, 0 dégâts derrière, pas de carry. Bah, il est vrai que si à ce moment-là, Nayoun a terminé sa dent de Nashor et dispose d'un Rabadon. Et que c'est pas un autre ADC? Oui, bon, quand même, avec dent de Nashor et Rabadon, je pense que ça se passe bien. Ouais, donc il y a 4000 gold de plus. Ouais, voilà, 4000 gold de plus, bien tassé. Ouais, tu mets un Felo, ça passe au Kalista et c'est free win pour ce fight, mais le truc, bien sûr. C'est que la Kalista n'a pas réussi à. Ouais, oui, qu'un niveau dégâts. Alors, les Solari qui n'ont bien sûr jamais baissé les yeux, ils avaient confiance en leur scaling, ils avaient largement l'avantage à ce niveau-là. Et comme vous l'avez dit, ils n'avaient pas une seule menace, heureusement, puisque Tekstet a pris un sacré tarif en début de partie. 0-4 je crois au début. Bon, ouais, 0-4 exactement, mais ils en avaient 3 des menaces, donc il y en a un qui flanche, il y en a 2 pour prendre le relais, avec un Kryze qui termine sa semaine après avoir fait forte sensation. Bon, oui. Après, c'est une semaine en Scarner. C'est bon. Sachant que c'est également un joueur de Vayne, bon. Commence à avoir un quasi judiciaire, monsieur, mais bon, il voilà. Il est dans sa méta, hein, ah, terminé, les autres avec lane, c'est la top lane, bien sûr. On me dit que Tekstet est probablement prêt à nous rejoindre. Ah, on finit quelques réglages, pardon. Je vais définitivement monter mon oreillette, excusez-moi. Bon. Mais à part oui, c'est Tekstet qui nous rejoint, j'ai spoil du coup. Ouais, t'as spoil, malheureusement, c'est pas la game. Enfin, je sais pas ce qu'il va dire de la game Tekstet, tu vois. Bah, c'est les Solari qui tenaient à ce que ce soit Tekstet toujours. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir son point de vue aussi sur le swap lane, parce que. Objectivement, Aegis l'a 1000 fois mieux joué. Moi, je pense aussi. Ouais. Même s'il y a eu un choke, parce que bon, on n'a pas parlé, mais le W Drenata qui part sur Kalista top, alors qu'il y a deux bah, presque cadavres qui arrivent. Ça aurait peut-être changé les choses, mais peut-être pas redéfini l'issue du match. On va aller voir et demander à Tekstet. Et déjà, on va le réaccueillir. Tekstet, welcome. Welcome on the desk. Congratulations on the win and on the 2-0 week. And of course, welcome back in the LFL. How are you doing, man? Thank you. I've been better. It's not my best week, I would say. Yeah. I'm really disappointed in myself for the first week, but I'm really proud of my team. I think everyone played really well, so it feels good to be carried too sometimes, I guess. Of course, you're saying you were a bit disappointed by your own performance, but we kind of saw this game that you took a lot of focus from Aegis, and they were really making a point on not letting you play the early game, but you came back strong afterwards. Yeah, I mean, I think no flame to my coach. I sacrificed a bit for the team this game. It was not the easiest matchup. Yeah. Like, we lane swapped as well, you know. And yeah, I think, actually check my Twitter after the interview, like you will see the most insane thing you'll see in your life. Like this Renata Q hitting. Ah, yeah. It's insane, by the way. Like, it was crazy. I flashed it on my screen. You'll see the screenshots, but yeah, I don't know. Yesterday as well, I feel like we had the bot 3v3 where we killed Rek'Sai, I think, and then we just overcommitted and gave triple kill to Zeri, and it made the game really hot. And I felt today was like
kind of similar. So I feel like the games are hard for me, but it's kind of my own and my teammates' mistakes as well. Like, I think if we just clean up our play a bit, like we will look so much better. It is kind of reassuring that you you take the win in the end, and thanks to your teammates, of course. There are many carries in inside Solari for this version of Summer 2024. About Swap Lane, quickly, how would you rate your own your performance as a team for this swap? Because it seemed like Aegis came out on top. Yeah, if I'm not mistaken, I think they had double demolish on bots because they took the tower really fast. And yeah, then Zach TP'd top. I think he TP'd because he saw it was so it was hard to dive, and he got level 2. I don't really remember what happened in game, but I said I want to base and go bot before they got tower. But then he TP'd. I think that's what happened. Like, he TP'd, so the call was to stay and try to dive. And I felt like I couldn't do it because I was but yeah. I think just always when there's lane swap, when it's not the Genji doing it, it's always kind of messy. So, yeah. Based on what you're telling us, it's kind of a rough exercise. Do you enjoy it or not at all? I mean, you can be honest. I think it's of course it's fun if you're a hyper carry and you get to skip lane. Like, you want your items. That's the fun part about playing hyper carries. But I don't think it should be that viable that you can, like, skip matchups. But I think also people have, like, the wrong read, kind of. Like, the team that swaps is not always, like, the best for them, but they just do it to not lane, you know? Sure. If enemy has a really oppressive matchup, it's better to lose more gold, but at least you get farm, you know, and you don't get zoned from your tower. So I think maybe they could nerf it a bit, but... The nerf are coming. We know it for the two patches now, if I'm not mistaken. Tekstet, it's a pleasure to watch you play once again. Would you like to share some few words for the audience and of course the Solari fans that you meet again? Yeah, I would like to apologize for my performance this week. I'm doing. I know I can do way better, and I will. So, thank you everyone for supporting us and me. It means a lot. And I think next week you will see the real me. This was just warm up for Summer Split. All right, we can't wait to see you next week. Tekstet, please congratulate your top laner for his MVP today. He played Scholar and Castante, so I wouldn't celebrate him too much. Yeah, but it's still, balanced champs. He's really good for his first week. So congratulations to Kryze, and see you next week. Thank you so much for the interview. Welcome back. Bye. Thank you. Bye. Voilà, mesdames et messieurs, donc Tekstet, Swap Lane, les danses, hein, tout ça, c'est des aventures. Pas content de sa première semaine, hein, vraiment, le botlaner Solari. Il vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous montrer la réelle forme. Ce n'était juste, ce n'était que le warm-up. Et simplement, dirigez-vous vers son Twitter, apparemment, parce que le Q-spell de la Renata de Vignerem était apparemment illégal. Mais voilà, faites-vous votre avis sur les plateformes, faites-vous votre avis sur le compte X de notre cher Tekstet. En tous les cas, il n'y a pas eu de pause, donc la vie continue. On est bon, messieurs ? Nous, on ne dit rien. Vous ne dites rien ? Mais, je vous ai pas vu lever la main. Mais alors, non, mais tu me laisses ça d'une main de maître. Après, moi, j'ai bien aimé voir Shriek faire coucou avec la caméra pas sur lui, tout le monde qui s'en fout. Il avait l'air un peu seul, ça m'a mis assez bien. Génial. Bah écoute, si tu étais malheureux, je sais au moins c'est quoi le prochain match ? Ah bah tiens, oui, le prochain match. Ah ah, bah ouais, voilà. Je sais. Allez. Oui. Ah, il a regardé. Non, mais... Game World BDS. Absolument, mesdames et messieurs. Petite pause et c'est parti pour Game World contre BDS Academy.